Le revenu, c'est comme l'air sous les ailes de l'oiseau. Et ce serait un droit civique s'il y avait un revenu de base. Bienvenue sur Terre. Aujourd'hui, chacun a un revenu, plus ou moins. Sinon, il ne pourrait même pas survivre. Mais sous quelles conditions? Comment chacun obtient-il son revenu? 4 Allemands sur 10 travaillent. Ce travail leur procure un revenu suffisant pour vivre. Presque 3 sur 10, en majorité les enfants et les jeunes, ont un revenu par leur famille. 2 sur 10 vivent de leur retraite ou de leur rente. Et moins d'un sur 10 de l'assurance chômage ou de l'aide sociale. Tous les revenus sont le résultat de l'activité économique, mais 41% seulement sont le fruit d'un travail rémunéré. Tous les autres sont dits revenus de transfert, des revenus qui ne sont pas directement liés au travail. Alors pourquoi l'idée d'un revenu de base nous semble-t-elle si étrange? Ce qui semble étrange, c'est que le revenu de base est inconditionnel. Mais aujourd'hui, les conditions d'accès aux revenus sont-elles encore adaptées à notre temps? À moins de nous montrer tout à fait naïfs, il faut admettre qu'à l'avenir, le marché du travail ne pourra plus assurer l'intégration sociale de toute la population. Cependant, en refusant l'alternative du revenu de base, nous sommes obligés de parier sur la croissance économique à n'importe quel prix. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la politique aujourd'hui. De l'extrême droite à l'extrême gauche, l'ensemble du monde politique en appelle à grands cris à la croissance économique. Ainsi, nous persistons dans une approche quantitative des problèmes et nous perdons toute chance de développer de nouveaux modèles d'organisation sociale d'une qualité supérieure. Aujourd'hui pourtant, croissance économique ne rime pas forcément avec création d'emplois. Sous le trait, c'est même plutôt le contraire. En revanche, il n'y a pas de croissance économique sans consommateurs avec un bon pouvoir d'achat. Autrement dit, il faut que les gens aient de l'argent en poche. Demandons à Klaus Wellershoff, économiste en chef de l'une des plus grandes banques du monde, première en gestion de fortune, ce qu'il pense d'un revenu de base inconditionnel. Soutenir les populations sans poser de conditions, à la longue, c'est un principe qui, je pense, devra s'imposer. Mais il lui faudra tout d'abord affronter les nombreux droits et privilèges dont nous bénéficions aujourd'hui. Mais de quel droit pourrait-il bien s'agir? Du droit de préserver les places de travail, peut-être? Tous les politiciens le réclament. Mais pense-t-il vraiment au travail? Ou plutôt aux recettes fiscales? Ou bien s'agit-il de limiter le nombre de ceux qui vivent de l'aide sociale et pèsent sur le budget de l'État? Ce n'est pas la politique de l'État méchant qui est responsable de l'explosion des coûts, c'est la rançon du succès. Le succès en question est celui de la rationalisation. Une rationalisation qui arrive jusqu'à notre porte. Comment va continuer l'histoire de ce succès? C'est justement le sens de cette question. Elle se pose si on réfléchit aux revenus de base. Il existe différents modèles de revenus de base. Tous ces modèles se rejoignent dans la définition du réseau allemand pour le revenu de base. Elle comprend 4 critères.
mais gardons les pieds sur terre. Le revenu de base ne signifie pas davantage d'argent pour chacun. Il ne vient pas d'en haut. Il ne s'ajoute pas. Il se développe à l'intérieur du revenu existant. Le revenu du travail diminue, mais le revenu total ne change pas. Ce qui change, c'est sa composition. Le revenu de base est un autre genre de revenu. Ce n'est pas un salaire minimum. Ce n'est pas le paiement de quelque chose. Ce n'est pas un revenu lié au travail. Chacun touche le revenu de base, quoi qu'il lui arrive. Contrairement au communisme qui étouffe la personne et au libéralisme de marché qui cherche à l'isoler, le revenu de base lie la sécurité à une liberté maximale, pour que l'individu puisse devenir maître de ses choix. Le montant de cette garantie doit suffire pour pouvoir réellement refuser une activité rémunérée. La possibilité de refuser est une condition essentielle pour pouvoir négocier librement et à égalité. Tous ceux qui sont à l'heure actuelle tributaires de l'aide sociale ne le seraient plus avec le revenu de base, car ils remplaceraient les prestations sociales de l'État, jusqu'à hauteur de son montant. Ce n'est que dans le cas où des prestations sociales plus élevées que le revenu de base seraient nécessaires que la différence serait conservée. Seuls ceux qui ont aujourd'hui moins que le revenu de base auraient davantage d'argent en poche. Il s'agit d'abord des enfants et des jeunes, autrement dit des familles, ou alors des personnes ayant une retraite insuffisante. Il s'agit des travailleurs pauvres ou des indépendants qui s'appauvrissent en travaillant. Le revenu de base éradique la pauvreté et il stabilise les classes moyennes en les rassurant. Il supprime la peur des vieux jours. Ce n'est pas de l'argent que les uns donnent aux autres en leur faisant mauvaise conscience. Ce n'est pas une aide octroyée quand on est dans le besoin et dont on se sent redevable, mais une perspective, et pour tous. Nombreux sont ceux qui ont un emploi, mais qui n'en veulent pas vraiment. On dit de cela, ces gens nous prennent nos emplois. Parce qu'en même temps, d'autres sont exclus alors qu'ils veulent travailler. Le jour où ce sera la décision de l'intéressé qui comptera, les choses vont bouger. Pour ma part, je suis sceptique. Je suis très sceptique. Parce que je pense que si ce revenu est mis à disposition, la motivation pour le travail et la performance vont baisser. Elles seront nulles. L'emploi rémunéré rend malade, parce que le temps permettant d'accomplir le travail est de plus en plus court. Ce qui peut se démontrer très simplement de manière empirique. Au fond, le revenu de base pose les fondements d'une société plus libre. C'est le plus important. Il nous libère de la dépendance salariale et crée plus d'autonomie. La question va se poser tôt ou tard. Comment est-ce qu'on finance tout ça? Parce que l'argent doit bien venir de quelque part. Je peux effectuer les calculs économiques nécessaires et je vous dis, ça marche. Le grand défi du revenu de base, c'est que chacun doit réapprendre à vivre. C'est ça l'essentiel. Et là, nous en sommes tout au début. Pas pour le financement. Le financement est acquis. La difficulté, c'est la liberté. Des visions d'horreur. Le début du XXIe siècle n'en manque pas. Les journaux en sont pleins, et nous aussi. Le revenu de base n'est pas un thème abstrait qui nous renvoie au rôle de spectateur. C'est une question qui touche chacun. Parce qu'avec ce revenu, chacun peut refuser de faire ce qu'il ne peut pas assumer, et ne faire que ce qu'il veut vraiment. Tout le monde resterait à la maison ? Personne n'irait plus travailler ? Tout s'arrêterait ? Comme si c'était la grève ? Et les cadres, en RTT permanente ? Et le sens des responsabilités ? Hors de vue ? Plus personne ne rame ? Plus personne ne bûche ? Les universités désertes ? Le revenu de base s'apprête-t-il toute motivation pour une qualification plus élevée ? Pour entreprendre une formation supérieure ? Sans contrainte ? Personne ne développerait plus son capital humain, alors qu'aujourd'hui déjà, on manque de personnel qualifié. Que va devenir notre économie ?
Ce qui me révolte le plus, c'est le fait qu'au fond, personne ne se demande plus à quoi l'économie est censée servir. C'est un domaine de la vie en société qui est censé assurer notre existence, produire et mettre à notre disposition des biens qui nous sont utiles. Mais cette façon de voir a complètement disparu. Aujourd'hui, l'économie fonctionne en circuit fermé. Elle poursuit d'autres objectifs qui n'ont pratiquement plus rien à voir avec la vie humaine, qui peuvent même détruire la vie humaine. Malgré tout, j'en suis convaincu. Nous avons besoin d'un système qui récompense la performance, qui rémunère le travail bien fait. Mais avec un système fondé sur le principe de l'arrosoir où tout le monde recevrait la même paye ou salaire de base, au final, c'est toute la société du travail qui imploserait. Pour l'année 2001, les prestations payées en Allemagne. 56 milliards d'heures de travail rémunérées. Les prestations non payées. 96 milliards d'heures de travail à la maison, pour les enfants ou encore dans le cadre d'une activité bénévole. Un revenu de base n'empêcherait pas du tout la rémunération du travail. La question qui risque de se poser, c'est plutôt de savoir, dans les entreprises, comment diriger des collaborateurs qui ne se laissent plus discipliner aussi facilement par le besoin d'argent. Idem en politique. Comment gouverner des citoyens rendus plus indépendants grâce à leur revenu de base? Et comment est-ce qu'on se gouverne soi-même? Est-ce que vraiment tout le monde serait en train de bronzer? Dans les débats sur le revenu de base, il s'agit tout d'abord de rompre avec les vieux schémas de pensée. Avec cette idéologie, par exemple, seul celui qui a ou qui cherche un emploi a le droit de manger. Il faut en finir avec cette idée fausse, selon laquelle seul le travail rémunéré constitue une contribution méritoire à la société. En réalité, c'est souvent exactement l'inverse. Qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. Cette maxime, nous l'avons intériorisée. L'artiste Joseph Beuys en a écrit une nouvelle version. Car nous avons assez à manger et des biens en suffisance. La question qui se pose, c'est celle du travail. Le travail pour obtenir les matières premières et le travail de production sont en train de disparaître. Dieu merci. Le sens de l'économie, c'est de libérer l'homme du travail. Ce n'est pas écrit dans le journal. Se libérer. Mais pour aller où? Ce n'est pas écrit non plus dans les directives des chefs d'entreprise. Licencier des collaborateurs n'est facile pour personne. Mais c'est pourtant comme ça que ça se passe. Mais si on reconnaissait cet état de fait, en le considérant même comme un devoir, un autre sens apparaîtrait. Se libérer du travail veut dire aussi se libérer pour le travail. Penser qu'au-delà de la grille, il n'y aurait que vacances et loisirs, c'est le point de vue de la dépendance. Il ne reste alors qu'un espoir, de nouvelles places de travail. De quelle nature sont donc les places de travail dans lesquelles on investit aujourd'hui? Tous les investissements dans de nouveaux postes de travail sont en même temps des mesures de rationalisation. On y développe des méthodes pour économiser des emplois. Jamais un patron ne vous dira « Comment puis-je faire pour créer plus de travail ?» La tâche de l'économie, c'est de satisfaire des besoins, efficacement, comme chacun le fait aussi. Elle n'a donc pas pour tâche de créer du travail. Et en face de cette réalité, on observe que chaque être humain porte en lui ses propres objectifs et son travail, et qu'il les abandonne parce qu'il ne peut les convertir en argent. Le problème de société que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens qui ont une place de travail n'ont en réalité qu'une place de revenu. N'avoir qu'une place de revenu veut dire avoir un travail uniquement pour épuiser son revenu. Un travail qui n'a pas de sens. Pour la société, ce manque de sens pose problème parce qu'il fait émerger beaucoup de frustrations et de pathologies chroniques. En Allemagne, 12% des salariés se sentent tout à fait à leur place. Cela fait un peu plus d'un sur 10. Plus de la moitié, 54%, sont plus ou moins insatisfaits de leur travail, mais apprécient néanmoins ses bons côtés. Enfin,
34% sont clairement mécontents de leur travail. Autrement dit, 1 sur 3. Le sociologue suisse Uli Maeder nous donne quelques indications. Face à l'orientation unilatérale et bornée de la société sur le travail rémunéré, il faut mettre l'accent sur la question du sens. Qu'est-ce qui importe vraiment dans la vie? Le revenu de base fournirait un appui fort aux gens. Il y aurait plus de sécurité. Cela provoquerait un élan de créativité, de satisfaction. Les gens auraient moins besoin d'avancer en jouant des coudes. Ils seraient moins qu'aujourd'hui contraints d'obtenir des avantages pour eux-mêmes au détriment des autres. En créant des rapports de concurrence extrême, le système actuel casse les mécanismes de solidarité. C'est l'opinion d'un professeur de sociologie. Mais qu'en pense quelqu'un qui rentre du boulot et qui entend parler pour la première fois du revenu de base? Ça veut dire que tout le monde aurait le même salaire? Non, chacun gagnerait ce qu'il gagne, mais tous recevraient un socle fixe, qui est le revenu de base. Mais seulement s'ils travaillent? Non, quoi qu'ils fassent. Mais alors, on aura certainement un problème de motivation au travail. Si je dispose de toute manière d'un salaire de base garanti, pourquoi irais-je encore travailler? Mais pour vous, ça serait comment? J'irais volontiers travailler. Rester à la maison n'est pas une solution. J'aime mon travail, je le fais volontiers. Mais il y a sûrement des types qui n'iraient plus travailler. Si vous aviez un revenu de base, est-ce que vous iriez encore travailler? Spontanément, environ 60% répondent « oui, comme avant ». Environ 30% répondent « oui, mais plus à plein temps ». Ou encore « je ferai autre chose ». Et environ 10% répondent ouvertement « d'abord dormir et ensuite on verra ». Voyager, s'occuper des autres, reprendre des études. Si on instaurait un revenu de base, pensez-vous que les autres continueraient à travailler? Environ 80% répondent « non ». Probablement que la majorité ne serait plus motivée pour aller travailler. C'est quoi un travail pour lequel il faut se faire motiver? Sans doute pas le travail que l'on fait pour soi-même. Pour celui-là, on se motive tout seul. Quelle est la motivation pour le travail? Là, ce sont des enfants qui travaillent. Tout à fait normal. À une certaine époque. Et nous, on continue à acheter. On ne sait pas très bien, la marchandise vient d'Extrême-Orient. C'est là-bas qu'est exécutée aujourd'hui une grande partie de ce qu'on appelle les sales boulots. Ou alors, si c'est chez nous, on aime bien avoir des gens qui viennent d'ailleurs. De temps à autre, il peut se faire qu'il manque des papiers, des contrats et la sécurité minimale. Et les congés maladie? Les sales boulots, comme on dit, ne sont pas forcément sales en soi. Mais plutôt à cause de la sale idée que l'on s'en fait, de leur faible rémunération et des mauvaises conditions de travail. Il s'agit souvent de nettoyer la saleté des autres. Au bout du compte, qui est-ce qui salit ce travail? Avec un revenu de base, on peut refuser. Mais à ce moment-là, qui fera les sales boulots? Il y a trois possibilités. Je m'imagine une caissière de supermarché. Elle ne prend certainement pas plaisir à son travail. Si elle avait un revenu de base, est-ce qu'elle irait encore travailler? Posons la question à cette caissière. Oui, personnellement, je n'arrêterai pas de travailler. Parce que je ne peux pas imaginer que je reste à la maison sans rien faire, même si j'ai ce truc de base de 1000 euros. 1000 euros, c'est un chiffre comme ça. Ça pourrait être plus, ou moins. D'abord, honnêtement, ça ne me suffirait pas. C'est pourquoi on l'appelle revenu de base. Cela devrait suffire pour le minimum vital et une intégration dans la société. La plupart des gens voudront gagner plus, comme aujourd'hui. Mais revenons-en à la caisse. Pas vraiment un métier de rêve? Évidemment, on pense toujours au travail à la caisse. Mais on a affaire avec un tas de gens et tout dépend de comment on se sent soi-même.
Personnellement, je suis quelqu'un de très ouvert. Je n'ai pas de problème et au fond, je me trouve très bien ici. Dans un sens, ça ne changerait pas grand-chose. Je ne supporterais pas de ne pas travailler. Je m'ennuierais trop. Certaines choses pourraient changer. Je pourrais voyager et voir des choses qu'aujourd'hui je ne peux pas voir, car je dois apprendre un métier. Le stress pour trouver du travail est énorme pour tous. On est là et il n'y a presque plus de place. Si on avait le revenu de base, ce ne serait pas si stressant. Et si on ne conditionnait pas les élèves pour qu'ils trouvent à tout prix la place qui leur convient dans la vie professionnelle? Une place qui n'existe plus pour tous depuis belle lurette. Je veux dire, cette situation mensongère dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Oui, cette idée intéresse particulièrement les jeunes, parce qu'en fait, on constate aujourd'hui dans les écoles que beaucoup de jeunes ont peur de l'avenir. C'est en fait notoire qu'ils se préparent pour un métier et qu'ils choisissent le moindre mal, de peur de se retrouver sans rien plus tard. Dans le revenu de base, je vois une possibilité et une chance de pouvoir entreprendre ce que l'on veut vraiment et de le faire bien. En même temps, j'y vois une crise de sens. Cela donne du temps et de l'espace pour réfléchir. Et quelle serait l'influence du revenu de base sur le travail lui-même? On répartirait le travail sur un plus grand nombre de personnes, et comme ça, il redeviendrait satisfaisant. Qui parlait de crise de sens? Oui, je crois que nous vivons en grande partie dans une grande illusion. Nous vivons aux dépens de la nature, aux dépens des générations futures, aux dépens de nos partenaires. Nous ne voulons pas savoir que d'autres bossent pour nous. Cette dépendance mutuelle, cette fraternité de fait, si je ne la reconnais pas clairement, j'en suis redevable envers mes semblables. Voilà pour la fraternité. Qu'en est-il de l'égalité dans une démocratie? Pour moi, le revenu de base joue un rôle de démocratisation à des niveaux multiples. Si les gens ont une sécurité matérielle, ils sont plus difficiles à corrompre. Cela permet le développement d'une société démocratique qui profitera aux riches comme aux pauvres. Qu'en est-il de l'art? Même quand je ne crée pas physiquement une œuvre, je continue néanmoins à travailler. C'est là la grande difficulté pour un artiste. Pour créer une nouvelle œuvre, vous n'êtes pas payé pour le temps que vous mettez à vous inspirer de la vie. Il y a le temps réel passé au studio à faire une pièce, mais comment tu te finances pour être en situation d'inspiration? La vie, c'est une forme d'art. Et pour une future maman? Ce serait génial. Je pourrais m'investir comme je le désire dans l'éducation de mon enfant, sans avoir mauvaise conscience. Et je pourrais organiser mon travail comme bon me semble, pas selon les besoins du bureau de placement. Oui, je pense que ce serait très bien, justement dans cette situation. Et lorsque l'enfant atteint l'âge adulte, il peut quitter plus vite le foyer des parents avec son revenu de base. Mais peut-on devenir adulte quand on sait que son revenu est assuré quoi qu'on fasse? Je n'aurais pas eu besoin d'autant de temps pour faire ma rébellion. J'aurais admis bien plus vite mon intégration dans la vie économique et dans la société, car le prix existentiel à payer n'aurait pas été aussi élevé. J'aurais eu moins de crainte de devoir renoncer à l'essentiel. Le revenu de base change tout dans un tas de domaines et il pourrait déclencher bien des choses.
Lorsque l'on veut gravir le Cervin, il faut penser à se lever tôt le matin, car il faut être au sommet à midi pour ne pas redescendre dans la nuit et le froid. Chaque Suisse le sait. En ce qui concerne la consommation de pétrole, nous sommes arrivés au sommet sans nous soucier de savoir comment on allait redescendre. Le peak of oil, la plus grande capacité d'exploitation de pétrole possible, sera bientôt atteint. Ensuite, la descente sera raide. Sur le plan du travail rémunéré, le plein emploi est également une phase provisoire. Un sommet. Le travail rémunéré a déjà dépassé son pic. En 1995, le futurologue Jeremy Rifkin prophétisait déjà les conséquences de la fin du plein emploi. Les pronostics de Rifkin sont controversés, mais ils ne sont pas sans fondement. En 1982, la production d'acier aux USA se chiffrait à 75 millions de tonnes et occupait 300 000 travailleurs. En 2002, 100 millions de tonnes furent produites avec seulement un quart des effectifs, soit 74 000 travailleurs. En même temps sont apparues de nouvelles places de travail, quelques centaines peut-être, dans le consulting et les technologies hautement spécialisées. Ce n'est pas le privilège de la production industrielle classique. Le même processus s'observe dans bien des domaines appartenant au secteur des services. La banque online en est un exemple extrême qui illustre néanmoins toute une évolution. Pour le même nombre de clients, elle n'a besoin que du dixième de l'effectif d'une banque conventionnelle. Ce développement ne se limite pas aux pays industrialisés. Il se manifeste dans le monde entier. Partout, les effectifs diminuent, alors que la productivité augmente. Là où le travail ne devient pas culture du travail, tout devient monoculture. Ce qui vit est la limite de la rationalisation. À l'avenir, les places de travail ressembleront à celles des artistes et des publicistes, non sous forme d'entreprise. Alternativement, beaucoup, puis peu d'argent. Beaucoup, puis peu de travail. Seul, puis en équipe. Et la plupart du temps, à durée déterminée et à la maison. Bien entendu, le revenu de base ne supprime pas le travail rémunéré. Il ne lui enlève que son monopole. Et il donne plus de marge de manœuvre pour les choses sérieuses. Et le sens ne se trouve pas seulement dans la fonction. Il y a bientôt 50 ans, en Suisse, une machine à laver coûtait 3550 francs. C'était beaucoup d'argent. 50 ans après, la même machine coûte 3195 francs. Le prix est resté quasiment le même. Mais un franc valait alors trois fois plus que maintenant. C'est-à-dire que la machine coûte aujourd'hui le tiers de ce qu'elle coûtait il y a 50 ans. Une coupe de cheveux coûtait environ 3,50 francs. Et aujourd'hui, environ 40 francs. Autrement dit, là où on a pu optimiser les méthodes et utiliser la technologie, là où le travail humain a diminué, les coûts ont baissé. Par contre, là où ce n'était pas possible, par exemple chez le coiffeur, les coûts ont augmenté. Le travail humain coûte cher. Parce que les hommes ont besoin d'un revenu et qu'ils paient un impôt sur ce revenu. Si nous considérons son pouvoir d'achat, le coiffeur ne gagne pas plus aujourd'hui qu'autrefois. C'est en comparant ces évolutions de prix qu'on peut voir le genre de travail qui peut être rationalisé et celui qui ne peut pas. Et on comprend ce que signifie pour nous la rationalisation. Si le prix de la machine à laver avait suivi celui de la coupe de cheveux, elle coûterait aujourd'hui 40 000 francs. Avec le revenu de base inconditionnel,
une partie de la totalité de l'argent servirait, par décision démocratique, à donner à chacun les moyens de sa liberté. L'homme serait roi et l'argent à son service. Est-ce que cela créerait aussi de meilleures conditions pour la situation globale ? Absolument. Cela créerait la possibilité de faire ce qui est nécessaire dans le monde. Les gérants de fortune nous disent que le grand problème, c'est qu'il y a des masses d'argent, trop d'argent. En même temps, il y a presque partout des surcapacités de production. Et nous avons un chômage qui ne fait que croître, alors qu'il y a partout des travaux non exécutés. Il y a donc beaucoup de choses que l'on peut et doit changer d'urgence, si l'on ne veut pas sombrer dans une catastrophe globale. Découpler travail et revenu. Le revenu de base le fait jusqu'à hauteur de son montant, car le revenu de base remplace une partie du revenu du travail. Voilà le principe. En pratique, le revenu de base crée une nouvelle force dans la négociation du salaire. Si le travail ne me procure qu'un peu de pouvoir d'achat supplémentaire, peut-être que je préférerais rester à la maison, m'occuper des enfants, qui d'ailleurs ont aussi un revenu de base, ou bien je me laisserai séduire par mon hamac, pas au bureau, mais chez moi. Enfin, n'importe quoi. Avec le revenu de base, celui qui démissionne en son fort intérieur peut aussi l'affirmer haut et fort. Il peut alors développer quelque chose de personnel, seul ou avec d'autres. Plutôt être convaincu par des projets que par un revenu. Car tout le monde va au travail en ayant déjà un revenu. On peut dès lors entreprendre quelque chose de nouveau. On peut demander à d'autres s'ils veulent participer, car ils ont également un revenu de base. Mais peut-être que je ne désire rien d'autre que de continuer mon travail. Le revenu de base introduit alors l'égalité dans la négociation du salaire. Il donne plus de poids à ma propre conception du travail et permet une réelle collaboration. Et peut-être qu'il faudra que l'employeur me paie un peu plus. Il s'ensuivra pas mal de changements dans la culture d'entreprise. Quel est le montant des revenus du travail? Cela fera l'objet d'une nouvelle négociation. Cette négociation présente de nombreuses facettes. Si dans une famille, seul l'un des partenaires ramène un salaire, les enfants ne rapportant que des allocations, alors l'autre partenaire a un revenu par son conjoint. Et les enfants aussi. Le revenu de base, à hauteur de son montant, casse la relation entre revenu et appartenance à l'entreprise, ou à la famille. Ainsi, la démocratie parvient dans sa totalité jusqu'à l'individu. Le revenu de base est un facteur d'émancipation. Plus d'égalité dans la famille et plus de chances sur le marché du travail. Willy et Hans sont des collègues dans la même entreprise. Ils ont le même travail et le même salaire. Nous sommes en Suisse, et avec 10 000 francs, on peut vivre bien. Encore cela dépend-il du nombre de personnes qui doivent en vivre. Hans a une famille, une femme et deux enfants. En admettant qu'en Suisse, le revenu de base se monte à 2 500 francs, et que les enfants en touchent la moitié, la famille toucherait le revenu de base de Hans, de sa femme et des enfants. Soit un total de 7 500 francs. Auparavant, Hans devait gagner 10 000 francs, et maintenant il peut aller travailler pour un salaire de 2 500 francs. Le revenu de la famille reste le même. Willy vit seul. Ah oui, il a un chien, mais les chiens ne touchent pas de revenu de base. Avec son revenu de base, il a le même revenu total s'il travaille encore pour 7 500 francs. Conclusion. Maintenant, Hans est clairement avantagé sur le marché du travail. Car ayant une famille, il a un revenu de base important et bénéficie ainsi d'un pouvoir de négociation plus fort, sans que sa famille n'ait à en faire les frais. Comment va se passer la négociation des salaires? Il est illusoire de croire que des rémunérations complètement différentes
puissent être versés pour un même travail. Il ne sera pas possible que le montant du salaire s'oriente exclusivement vers celui de Willy ou vers celui de Hans. Quelque chose de nouveau va en résulter. Le niveau de salaire se situera quelque part entre les deux, c'est-à-dire vers 5000 francs. Même entreprise, même travail, même salaire. 5000 francs pour Willy, comme pour Hans. Mais Hans, avec sa famille, reçoit alors davantage qu'aujourd'hui, et Willy, malgré tout, un peu moins. De quoi avons-nous le plus besoin aujourd'hui ? Vertrauen. De confiance. Et de quoi souffrez-vous le plus ? Kälte. Du froid. Le revenu de base, c'est fantaisiste ou raisonnable ? Je pense que c'est rationnel et économique. Pourquoi alors n'avons-nous pas encore de revenus de base ? Il y a en nous une collision entre notre boussole intérieure et le problème devant lequel nous sommes. Nous ne parvenons pas à les concilier. Et comme nous ne sommes pas encore assez loin pour nous demander s'il y a quelque chose qui cloche dans nos convictions, pour nous demander si nos convictions sont encore adaptées à notre temps, nous nous accrochons à ce que nous avons. Tout est orienté, les écoles, les universités, tout, vers la société du travail. Nous ne pouvons renoncer à cette orientation. Au fond, il s'agit d'un symptôme. S'accrocher à de vieilles conceptions dans une situation nouvelle, comme celle que nous vivons maintenant, est symptomatique du fait que ces vieilles conceptions nous ont déjà lâchés. Un revenu de base n'est pas une aumône, ce n'est pas une assistance. Comme vous le dites, c'est un droit civil. C'est le droit de chaque personne à profiter du bien-être de la nation. C'est le mérite du sénateur Suplicy d'avoir obtenu que le droit au revenu de base soit introduit dans la loi brésilienne, comme perspective pour l'avenir. On pourrait commencer avec un revenu de base pour les enfants. Par exemple, dès l'année de naissance 2000, avec les enfants, le revenu de base grandira dans la société. Mais on peut aussi commencer avec son propre revenu, en le concevant d'une autre façon. Lors de l'estimation du revenu de base, nous ne calculons pas la prestation fournie. Mais par ce revenu, nous rendons possible la contribution de chacun à la société. Le travail que vous ou que d'autres exécutent n'a pas de prix, mais votre revenu le rend possible. On pourrait commencer par introduire le revenu de base dans une région, par exemple en Midi-Pyrénées, ou dans une ville comme Tarbes. Des fondations pourraient commencer en émancipant financièrement les habitants, sans poser de conditions. Les fondations, de même que l'État et ses subventions, sont là pour financer une vie culturelle autonome et des œuvres sociales. Mais l'individu, entrepreneur social ou culturel, n'est guère au centre des préoccupations. Ce sont des projets, des demandes de financement qui doivent obéir à des structures, à des critères. L'individu comme tel n'est pas pris au sérieux. C'est précisément ce que ferait le revenu de base. Prendre l'individu au sérieux. Le plus souvent, on rétorque que précisément, on ne peut pas faire confiance à l'individu, qu'en général, il ne connaît pas son propre potentiel et ne fait rien de son propre chef. Quelle est l'expérience de la directrice du Centre de promotion de l'existence pour les chômeurs à Francfort ?
Les idées sont là, mais elles sont enfouies sous les gravats de l'existence, les angoisses, les fausses représentations de ce qui est possible, de ce qui est autorisé, de ce que l'on peut ou veut faire. Je suis certaine que le revenu de base aiderait à débloquer les potentiels. Il y aurait d'ailleurs des retours pour l'économie et pour la société. Quel serait le montant du retour sur l'investissement que représente le revenu de base? Je pense qu'il serait très important. Mais alors, il faudrait qu'on commence avec cet investissement. Mais l'investissement profite à tout le monde, même à ceux que je n'aime pas. Je trouve même que c'est très important. Toute ma vie, je me suis donné de la peine pour me discipliner, pour être performant, être capable d'une activité plus ou moins dotée de sens. Et les voilà donc qui se ramènent, ces jeunes gens qui n'ont aucune discipline. Et c'est à ceux-là qu'on devrait donner de l'argent. Mais c'est un scandale. À mon sens, c'est ce sentiment qui se cache derrière le refus du revenu de base. Mais comme ce n'est tout de même pas très chic de mettre cet argument en avant, on dit « Mais comment allons-nous le financer ?» Nous avons travaillé pour la mécanisation, pour décharger l'être humain du travail pénible, et maintenant, on se plaint qu'il n'y ait plus assez de place de travail. Et personne ne dit, mais non d'une pipe, c'est justement pour ça que nous avons trimé dur pendant 100 ans, pour ne plus travailler autant. Aucun parti politique ne le dit, et cela me met en rage. L'argument décisif est en fait une vengeance personnelle. Il ne faut pas que ce soit mieux pour les autres que ça ne l'a été pour moi. Et cet esprit de vengeance est torpillé par le revenu de base. Mais alors, si je peux me débarrasser de cet état d'esprit, je ne fais pas seulement quelque chose pour le revenu de base, mais aussi pour ma propre santé et pour mes facultés d'être social.